C'est le 15 juin 1767 que Côme Laverse du Rondeau, mon frère, s'assit au milieu de nous pour la dernière fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions dans la salle à manger de notre villa d'Ombreuse. Les fenêtres encadraient les branches touffues de la grandieuse du parc. Il était midi. Je me rappelle que le vent soufflait, qu'il venait de la mer et que les feuilles bougeaient. J'ai déjà dit que j'en voulais pas. Et je répète que j'en veux pas, fit Côme en écartant le plat d'escargot. On n'avait jamais vu désobéissance plus grave. Le baron Arminius Laverse du Rondeau, notre père, coiffé d'une perruque Louis XIV descendant jusqu'aux oreilles et démodé comme tout ce qui lui appartenait, siégeait à la place d'honneur. Entre mon frère et moi était assis l'abbé Fauche-Lafleur, chapelain de notre famille, notre précepteur. En face de nous, la générale Conradine du Rondeau, notre mère, et notre sœur Baptiste, la nonne de la maison. Côme était âgé de 12 ans et moi de 8. Depuis quelques mois seulement, nous avions été admis à la table de nos parents. J'avais bénéficié avant l'âge de la promotion de mon frère. On n'avait pas voulu me laisser manger tout seul. Bénéficier, c'est une façon de parler. Notre père et notre mère ne nous quittaient pas des yeux. Sers-toi de ta fourchette et de ton couteau pour le poulet. Tiens-toi droit. Ôte tes coudes de la table. Ça n'arrêtait pas. Jusqu'au jour où Côme refusa les escargots et décida de séparer son destin du nôtre. « Alors ?» demanda notre père à Côme. « Non, non et non !» répondit Côme en repoussant le plat. « Quitte cette table !» Mais déjà, Côme nous avait tourné le dos et sortait de la salle à manger. « Où vas-tu ?» À travers la porte vitrée, nous le vîmes prendre dans le vestibule son tricorne et sa petite épée. « Je sais où je vais !» Et il courut dans le jardin. Au bout d'un moment, nous l'aperçûmes par les fenêtres qui grimpaient dans l'Yeuse. Il avait la tenue et les habits fort soignés que notre père exigeait à table. Cheveux poudrés et queue nouée d'un ruban, cravate de dentelle, petit habit vert à basque, culotte mauve, l'épée au côté et de longues guêtres de peau blanche montant jusqu'à mi-cuisse qui étaient l'unique concession à notre vie campagnarde. Ainsi vêtu, il se hissait le long de l'arbre noueux, remuant bras et jambes au travers des branches. Avec la précision et la rapidité qui étaient nôtres, nous passions en effet de longues heures dans les arbres. Il me parut donc naturel que la première idée de Côme fût de grimper dans l'Yeuse, notre arbre familier. Notre père se pencha par la fenêtre. « Quand tu seras fatigué de rester là, tu changeras d'idée. »« Je ne changerai jamais d'idée. » « Je te ferai voir, moi, quand tu descendras. »« Oui, mais moi, je ne descendrai pas. » Ainsi parla Côme et il tint parole. Le soir enfin venu, les serviteurs allaient et venaient pour dresser la table
Déjà dans la salle à manger, les chandeliers étaient allumés. Côme devait tout voir de son arbre. S'adressant aux ombres, le baron Arminius cria par la fenêtre. « Reste là-haut si tu veux, mais tu y mourras de faim !» Pour la première fois, ce soir-là, nous nous assîmes pour dîner sans Côme. Lui était à cheval sur une branche latérale de lieuse, très haut, si bien que nous voyions seulement ses jambes qui pendaient. Après le dîner, nous allions toujours nous coucher de bonne heure. Nous ne changeâmes pas notre horaire ce soir-là non plus. Nos parents avaient décidé de ne plus donner à Côme la satisfaction de faire attention à lui. Ils attendraient que la lassitude, l'incommodité, le froid de la nuit le délogeassent. Chacun monta dans ses quartiers. Sur la façade de la maison, dans l'encadrement des croisées, les chandelles allumées ouvraient des yeux d'or. Quelle nostalgie, quel souvenir de chaleur devait donner à mon frère qui passait la nuit en plein air, cette maison si familière et si proche. Je me mis à la fenêtre de notre chambre et devinais son ombre, pelotonnée dans un creux de lieuse entre une branche et le tronc. Il devait s'être enveloppé dans la couverture et, je crois, attaché par plusieurs tours de corde pour éviter de tomber. La lune se leva tard et brilla sur les branches. Les mésanges dormaient dans leur nid, pelotonnés comme lui. Sans murmure, sans bruit éloigné, traversait la nuit, le plein air. Le silence du parc. Et le vent passait. De temps en temps, parvenait jusqu'à nous un mugissement lointain, la mer. De ma fenêtre, je prêtais l'oreille à cette haleine entrecoupée. Et j'essayais de me représenter ce qu'elle pouvait être quand on l'apercevait hors de l'abri familial. J'imaginais ce qu'on pouvait éprouver à quelques mètres de là, entièrement livré à ce souffle et tout environné par la nuit, sans autre objet amical à enlacer qu'un tronc d'écorce rude parcouru par de menues, d'interminables galeries où dorment des larves. J'allais me coucher, mais ne voulus pas éteindre ma bougie. Cette lumière à la fenêtre de sa chambre, peut-être lui tiendrait-elle compagnie. Nous avions une chambre commune avec deux petits lits, des lits d'enfants. Je regardais le sien, fermé, et par la fenêtre, l'obscurité dans laquelle il se tenait. Je me retournais dans mes draps et je sentais pour la première fois sans doute la joie de me trouver déshabillé, pieds nus, dans un lit blanc et chaud. Je percevais en même temps son malaise à lui qui était là-haut, attaché dans sa rude couverture, les jambes serrées dans ses guêtres, sans pouvoir même se retourner, les os brisés de fatigue. Depuis cette nuit-là, un sentiment ne m'a plus jamais quitté. La conscience du bonheur d'avoir un lit, des draps propres, un matelas moelleux. Tandis que je savourais ce sentiment, mes pensées, après s'être portées bien des heures vers celui qui nous causait tant d'angoisse, se replièrent autour de moi. Et c'est ainsi que je m'endormis. Ah!
Gaume se réveilla au milieu du vacarme des étourneaux, trempé de rosée froide, engourdi, des fourmis dans les jambes et dans les bras, et entreprit tout heureux d'explorer son nouvel univers. Tout était subordonné à son désir de connaître et de posséder son royaume. Il aurait voulu l'explorer jusqu'à ses confins extrêmes, étudier toutes les possibilités qu'il lui offrait, le découvrir arbre après arbre, branche après branche. Il courut ce jour-là comme un fou, dieux en olivier et en hêtre, et se retrouva finalement dans un bois. Un bois touffu, inextricable. Comme devait se frayer une route à coups d'épée, et en progressant ainsi au milieu des ramures, il vit soudain entre les feuilles, là, droit devant lui, deux yeux jaunes qui le regardaient fixement. Comme tendit son épée en avant, écarta une branche et la laissa doucement revenir à sa place. Il poussa un soupir de soulagement, rit de sa peur, c'était seulement les yeux d'un chat. Il avait à peine aperçu la bête. Mais l'image restait gravée dans sa mémoire. Au bout d'un moment, Comme se retrouva tremblant de peur. C'est qu'en effet, ce chat, bien qu'en tout semblable à un chat, était un chat terrible, épouvantable, à faire crier d'effroi rien qu'à le voir. On ne peut pas dire ce qu'il avait de si effrayant. C'était une espèce de siamois plus gros que tous les siamas. Mais cela ne voulait rien dire. Ce qu'il avait de terrible, c'était ses moustaches droites comme des piquants de porc-épic. Le souffle, qu'on croyait voir plus encore qu'on ne l'entendait, sortir d'une double rangée de dents aiguës comme des crocs. Les oreilles extrêmement pointues, tendues comme deux flammes et semées d'un duvet faussement moelleux. Le poil, tout droit, qui se gonflait en collier blanc autour du cou rentré. Les rayures, qui frémissaient le long des flancs comme pour s'entrecaresser. La queue, enfin, qui se dressait avec une rigidité si peu naturelle qu'elle en paraissait insoutenable. À tout cela que Comme avait entrevu une seconde derrière la branche qu'il avait laissée retomber tout de suite, s'ajoutait ce qu'il n'avait pas eu le temps de voir, mais imaginait sans peine. La houppe de poils, extraordinairement long masquant autour des pattes, de fortes griffes faites pour déchirer, toutes prêtes à sortir contre lui. Et ce qu'il continuait de voir, les prunelles jaunes qui roulaient autour de pupilles noires et le regardaient fixement entre les feuilles. Et ce qu'il entendait, un grommellement de plus en plus grave, de plus en plus fort. Tout cela lui fit comprendre qu'il se trouvait devant le plus féroce des chats sauvages de ces bois. Tous les gazouillis, tous les bruissements s'étaient tus et le chat sauvage sauta, mais non pas sur l'enfant. Il fit un saut presque vertical qui surprit Comme plus qu'il ne l'épouvanta. L'épouvante vint après quand il découvrit le félin sur une branche placée juste au-dessus de sa tête. Il était là, ramassé. Comme voyait son ventre aux longs poils presque blancs, ses pattes tendues, ses griffes enfoncées dans le bois, son dos arqué tandis qu'il faisait en se préparant de toute évidence à fondre sur lui. Comme, opérant un repli parfait au reste purement instinctif, passa sur une branche plus basse. Souffla le chat sauvage et à chaque il faisait un saut, l'un à droite, l'autre à gauche, pour se retrouver au-dessus de Comme. Mon frère répéta son repli, mais se trouva pour finir à cheval sur la branche la plus basse de ce être.
Côme souleva une de ses jambes comme pour se préparer à sauter, mais on aurait dit qu'en lui, deux instincts se combattaient. Le désir naturel de se mettre en sécurité et le refus obstiné de toucher terre, fût-ce au prix de sa vie. Le garçon hésitait. Le chat jugea que le moment était bon pour s'élancer. Il vola sur Côme dans un ébouriffement de poils, de griffes sorties et de sifflements. Côme ne trouva rien de mieux à faire que de fermer les yeux et de tendre en avant son épée. C'était un mouvement stupide que le chat esquiva facilement. Du coup, il fut sur la tête de l'enfant, sûr de le faire tomber avec lui. Côme reçut un coup de griffe sur la joue, mais au lieu de tomber, agrippé comme il l'était à l'arbre qu'il serrait entre ses genoux, il s'allongea à la renverse sur la branche. Tout le contraire de ce qu'attendait le chat. Il se trouva projeté de côté et ce fut lui qui tomba. Il voulut se retenir, planter ses griffes dans le bois et fit un tourniquet dans l'air. Cette seconde suffit à Côme pour lui renfoncer à fond d'un grand élan victorieux toute son épée dans le ventre. Le chat miaula de toutes ses forces, transpercé. L'hiver arriva. Ce jour-là, Côme se trouvait sur un noyer en train de lire. Depuis quelque temps, les livres lui étaient redevenus nécessaires. Il lisait le Gil Blas de Le Sage, tenant d'une main le volume, de l'autre son fusil. Sur le chemin qui descendait de la montagne, il vit apparaître Jean des Bruyères. Hé ! Vous êtes le brigand, Jean des Bruyères ? Ah, comment me reconnaissez-vous ? Oh, comme ça, de réputation. Et vous, dites-moi, vous êtes le garçon qui ne descend jamais des arbres ? Comment le savez-vous ? Oh, le bruit qui court. Ils se regardèrent d'un air poli, comme deux personnages considérables qui se sont rencontrés par hasard et se félicitent de ne pas être inconnus l'un de l'autre. Côme, ne trouvant plus rien à dire, s'était remis à lire. « Hé, garçon, que lisez-vous de beau ?»« Le Gil Blas de Le Sage. »« Ah, et c'est bien ?»« Oui, oui, oui. »« Vous êtes loin de la fin ?»« Oh, une vingtaine de pages. »« Pourquoi ?»« Quand vous aurez fini, je voudrais vous demander de me le prêter. » Vous savez, je passe mes journées à me cacher, alors je ne sais plus quoi faire. Si j'avais un livre de temps en temps, comme ça. Une demi-heure plus tard, Côme avait fini son livre. Jean des Bruyères l'emporta. Ainsi commencèrent les relations de mon frère et du brigand. Aussitôt que Jean des Bruyères avait fini un livre, il le rapportait à Côme, en prenait un autre à la place et courait lire dans sa cachette. C'était moi qui procurais les livres à Côme. Je les prenais dans la bibliothèque paternelle. Un beau jour, il découvrit les romans de Richardson, toute une pile de volumes, vautrés sur sa couche, ses cheveux hérissés semés de feuilles sèches, son front plissé, ses yeux verts rougis par l'effort. Jean des Bruyères
lisait, lisait, lisait. Tout ce qui l'entourait avait cessé de l'intéresser ou le remplissait de dégoût. Vivant ainsi, replié sur lui-même, il ne se rendait pas compte de la tempête de ressentiment qui se préparait contre lui. Même les habitants du bois, ses complices de jadis, en avaient maintenant assez de se trouver encombrés d'un brigand inactif qui attirait sur eux toutes les forces de police. Son nom n'inspirait plus aucune crainte. Et si l'on ajoute à cela la tentation que faisait naître sa tête mise à prix, il est clair que les jours de Jean des Bruyères étaient comptés. Deux jeunes brigands qu'il avait formés voulurent lui fournir l'occasion de se réhabiliter. C'était le grand Hugues et Beau Loriot. Ils s'en vinrent le trouver dans sa caverne. Jean des Bruyères était là, étendu sur la paille. « Oui ? Qu'y a-t-il » fit-il sans lever les yeux de sa lecture. « Nous avons quelque chose à te proposer. Quoi ? Tu sais où se trouve la maison du Gabelou ? Oui, oui. Quoi ? Qui ça ? » Beau Loriot et le grand Hugues échangèrent un regard contrarié. Tant qu'on ne lui ôterait pas ce maudit livre des mains, le brigand refuserait de ne rien entendre. « Ferme ton livre, écoute-nous !» Et sans prévenir, Beau Loriot lui arracha violemment le volume des mains. « Hé, rends-moi ce livre !»« Non !»« Tu vas nous écouter d'abord. »« Rends-le-moi, je lisais Clarisse Harlowe. J'en étais à ce moment crucial où tu vas nous écouter. »« Ce soir, nous portons une charge de bois chez le Gabelou. » Tu seras dans le sac à la place du bois. Et quand la nuit sera venue, tu sortiras du sac et tu te feras livrer toutes les gabelles de la semaine. C'est compris ? Et dès que tu nous les auras apportées, nous te rendrons ton livre. On est d'accord ? Non, 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 je ne suis pas d'accord, j'irai pas. Tu n'iras pas ? Tu n'iras pas ? Eh bien, tu vas voir. Et le grand Hugues prit une page à la fin du livre. Non ! Hurla Jean des Bruyères, l'arracha. Non, arrête ! Et on fit une boule qu'il lança dans le feu. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi, je ne saurai pas la fin. Alors, tu iras chez le douanier ? Non, j'irai pas. Le grand Hugues arracha deux autres pages. Arrête ! Tu ne peux pas brûler ça ! Le grand Hugues les avait déjà jetées au feu. Non, pas la Clarisse ! Alors, je... Le grand Hugues jeta encore trois pages. Jean des Bruyères s'assit et prit sa tête entre ses mains. « J'irai. Promettez-moi que vous m'attendrez devant la maison du Gabelou avec le livre. » Jean des Bruyères fut caché dans un sac, un fagot sur la tête. Beau Loriot prit le sac sur son dos. Derrière venait le grand Hugues. Déguisé en bûcheron, ils le portèrent à l'intérieur de la maison du Gabelou et l'y laissèrent, puis se postèrent à petite distance derrière un olivier, attendant l'heure où, forfait achevé, ils viendraient les rejoindre. Mais Jean des Bruyères était trop pressé. Il sortit avant la nuit. Il y avait encore du monde dans la maison. « Oh les mains !» lança-t-il. Mais il n'était plus celui d'autrefois. « Oh les mains » dis-je. « Tous dans cette pièce, contre le mur !» Lui-même n'y croyait plus. « Vous y êtes tous ?» Il ne s'était pas aperçu qu'une petite fille s'était sauvée. Dans un travail de ce genre, chaque minute est capitale. Cette nuit-là, tout traînait en longueur. Le Gabelou faisait l'idiot, ne trouvait pas la clé. Jean des Bruyères se rendait bien compte qu'on ne le prenait plus au sérieux. Et au fond, il se réjouissait qu'il en fût ainsi. Il finit pourtant par sortir, les bras chargés de sacs d'écus, et courut à l'aveuglette vers l'olivier choisi pour le rendez-vous. « Voilà, maintenant, rendez-moi mon livre, rendez-moi Clarisse !» 4, 7, 10 bras s'abattirent sur lui et le garrottèrent des épaules aux chevilles. Tout un peloton de sbires le souleva à bras tendus, ficelé comme un saucisson. « Clarisse, tu la verras derrière les grilles !» Et ils l'emmenèrent en prison.
La prison était installée dans une petite tour au bord de la mer. Auprès d'elle poussait un fourré de pins maritimes. Du haut d'un de ces pins, Côme arrivait presque au niveau du cachot de Jean des Bruyères et voyait son visage appuyé contre la grille. Le brigand se souciait peu des interrogatoires et du procès. De toute façon, il serait pendu. Son tourment, c'était ces journées creuses qu'il passait en prison sans rien lire et ce roman qu'il avait dû laisser au beau milieu. Côme réussit à s'en procurer un autre exemplaire qu'il apporta avec lui sur le pain. Où en étais-tu ? Tu sais, quand Clarisse se sauve de la maison de rendez-vous. Côme feuilleta un instant le livre. Ah oui, voilà. Donc, et il commença de lire à haute voix, tourné vers la grille à laquelle les mains de Jean des Bruyères s'agrippaient. L'instruction traîna. Chaque jour, avant et après son interrogatoire, Côme lui faisait la lecture. Clarisse, une fois achevée, Côme, le sentant quelque peu attristé, jugea que la lecture de Richardson devait être déprimante pour un homme condamné à l'inaction. Il préféra lui lire un roman de Fielding dont les péripéties mouvementées compenseraient en quelque façon la perte de sa liberté. Pendant que se déroulait son procès, Jean des Bruyères n'avait la tête qu'aux aventures de Jonathan Wild. Le jour de l'exécution survint, avant que le roman ne fût fini. C'est sur une charrette, en compagnie d'un moine, que Jean des Bruyères accomplit son dernier voyage de vivant. À Ambreuse, les pendaisons se faisaient dans les branches d'un grand chêne au milieu de la place. La population faisait cercle tout autour. À peine eut-on passé le nœud coulant que Jean des Bruyères entendit un sifflement dans les branches. Il leva la tête. Côme était là, tenant son livre fermé. Dis-moi comment ça finit. Je regrette de te le dire, répondit Côme. Jonathan finit pendu haut et court. Eh bien, je vais en faire autant. Allons, adieu. D'un coup de pied, il repoussa l'échelle et s'étrangla. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire et rendez-vous dans 45 ans. Merci à toute l'équipe technique.